Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme déjà qu'on a avancé l'horaire avec le programme justement sur les régionales 2021. Le journal ces prochains jours commenceront donc à 18h tout simplement et on se cantonnera tout simplement au JT. On y va. Nous sommes le mercredi 9 juin et vous le savez aujourd'hui, l'air est très mauvais. Alors, évitez de respirer, non, blague à part, l'Institut Guader nous informe que les masses d'air chargées en poussière désertique importées sur nos territoires dégradent la qualité de l'air. Et pour en rajouter une couche, une intensification des brumes de sable est prévue pour demain. La concentration des particules fines montera en flèche dans les prochaines 24 heures, hein, que ce soit sur la Guadeloupe ou à Saint-Martin. Alors pour bien respirer, allez prendre un petit bain de mer et profiter de l'air marin qui est le meilleur qui soit. Et aujourd'hui, les marins pêcheurs se sont mobilisés à Pointe-à-Pitre contre l'augmentation du prix des carburants. Une hausse contestée puisque le prix du gasoil en France est de 48 centimes contre 1,04 € ici en Guadeloupe, même si le comparatif se fait sur de l'essence. Révoltés par ce prix, ils réclament une baisse d'au moins 50 centimes. Et à l'heure où l'on parle, l'accès au port autonome est toujours bloqué. Les pertes sont estimées à 1 million d'euros par jour et ils ne se déplaceront pas tant qu'une solution ne leur sera pas portée. Le reportage en mer de Grégory Laps. Depuis 4h du matin, nous sommes là sur l'entrée du chenal pour la raison que tout le monde connaît, c'est l'augmentation du prix du carburant, surtout au niveau des taxes pour les marins pêcheurs professionnels. C'est un combat, il ne faut pas nous laguer en réalité. Donc aujourd'hui, là, les collègues bien exprimés souffrent à ces camarades-là et nous solidaires à tout le monde. Et le comité des pêches là, derrière ce syndicat là, 100%. Donc aujourd'hui, là, ce que nous commander, c'est que le carburant a une baisse significative et il faut arrêter domination à marché Guadeloupe, Martinique, Guyane, notamment à cause d'un prise à la Sarah. Et aujourd'hui, là, il faut nous revoir le modèle là. Le modèle là, pas qu'à convient de nous, pourtant nous avons un baril qui n'est pas cher, nous avons un carburant qui est extrêmement cher. Donc nous avons un bitin qui paye. Et aujourd'hui, il faut nous ranger ça. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui, là, nous on en met. Mais nous sommes pêcher, aujourd'hui, nous sommes baquer poisson. Mais il y a trappé que nous avons pris du carburant qui a tranglé nous. Alors, nous ne pouvons pas continuer. Il faut savoir que l'homme marin pêcheur qui a sorti pour la journée, il a dépensé en moyenne 300 euros essence. On a demandé qui moun a dans en profession autre que ça, qui a dépensé paquet de l'argent, ça a été qu'à continuer. Et nous avons continué pas d'avoir, nous conscients que nous avons un rôle fondamental dans la production de protéines animales fraîches pour la population. Nous. Mais pour ça peut continuer, il faut baisser le prix à carburant là de 50 centimes. Sinon, nous remettons ça de plus en plus haut et ça qui est crescendo. Mais alors, sans te vouloir dire aussi, pas d'avoir, nous pas tout seul dans le combat là, on te voulait que le peuple Guadeloupe rentre en combat là, pas d'avoir un litre d'essence à 1,65 €, en commandant qui j'ai eu quoi faire, il travaille toujours. Alors, Guadeloupéen, levez Tibouin, arrêtez de faire un moussage poulette. On lit l'essence trop cher pour les pays travail. Ils n'ont pas à vrai qu'à perdre l'argent. On doit arrêter ça. Ok, joignez les pêcheurs, et bien nous remettons le mouvement là de plus en plus haut. On y pêche des îles, on y pêche de Nord Grande Terre, bah Nord Basse Terre, tout le monde là en fait. Mais je dis juste, c'est un petit parti. Hein. C'est-à-dire que c'est le premier coup de balle là. D'autres qui viennent derrière, souvent ne pas taper ça nous voulait. Et on s'attend à de très grosses perturbations eh bien, sur le réseau routier, normalement à compter de demain, puisqu'ils ne nous ont donné aucune indication. On se prépare quand même. Et on enchaîne avec le point Covid hebdomadaire. Bon, vous le savez, ils ont déplacé finalement les présentations et les conférences de presse au vendredi, mais les communiqués, eux, sortent toujours le mardi ou le mercredi. Et donc, nous comptabilisons 170 nouveaux cas, une belle baisse par rapport à la semaine dernière. Le nombre de personnes en réanimation est de 23, il est également en baisse. 4 personnes sont décédées cette semaine, avec une moyenne
moyenne d'âge de 70 ans et des comorbidités. Le taux d'incidence est de 45,1 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité, lui, est de 4,2% alors qu'il était de plus de 6% la semaine dernière. Et nous sommes toujours à peu près dans les bons derniers au niveau de la vaccination avec une couverture vaccinale de 19,54% de la population. Visiblement, vous n'êtes pas très emballé à l'idée de vous le faire injecter. Et dites au revoir aux motifs impérieux et bonjour aux wagons de touristes. La période estivale est lancée pour le plus grand plaisir des professionnels du secteur. Les premiers arrivants ont foulé le sol guadeloupéen cet après-midi et pour beaucoup, les raisons sont semblables. Profiter des vacances, éventuellement saisir des opportunités, notamment sur les acquisitions immobilières. Avec la période Covid, nombreux sont ceux qui ont fait faillite. Le malheur des uns fait finalement le bonheur des autres. Il y a beaucoup de bonnes affaires à faire du côté de Sainte-Anne-Saint-François, si vous n'êtes pas au courant. En tout cas, les tests PCR restent obligatoires, avec une septaine imposée à l'arrivée. Seul moyen d'y échapper, la double vaccination. Oui, oui, le reportage. Bah écoutez, nous on est venus en vacances pour pouvoir profiter par le biais du fait que ça a été levé les restrictions. D'accord. Donc c'est plutôt agréable. Le vol s'est bien passé, juste le masque qui est un peu contraignant. Ah bah bien sûr, oui, ça, on a sauté sur le premier avion dès que les motifs impérieux n'avaient plus lieu, on a pris le premier avion dès que possible. Ah bah les consignes, c'était les contrôles PCR, plus moi je suis vacciné total, donc ça va. Hein, donc j'ai pas de confinement à faire, alors que ceux qui ont que le test PCR doivent faire un confinement. Oui, il y a 7 jours obligatoires à rester dans le domicile là où on est logé, et après il y a des appels qui nous sont émis pour pouvoir voir si on est bien dans le domicile. Oui, on va pouvoir profiter, oui, c'est ça. Oui. Et puis on va même regarder s'il y a moyen d'acquérir des gîtes ou autre chose, on va regarder pour le futur, pour investir ici. Ben, ça va faire du bien, parce que du coup on a pas mal de demande de devis là pour cet été, donc ça redémarre d'un coup l'activité quoi. Ah ben, ça fait plus de boulot, mais on est content, beaucoup bien content de retrouver les touristes. Et notez que ce matin, le patron de l'UDE-MEDEF, Bruno Blandin, et Françoise Maire, directrice de l'EFS, ont signé une convention de partenariat. L'objectif, encourager et faciliter l'accès du don du sang aux salariés. Chacun pourra prendre ainsi 45 minutes à 1 heure pour donner son sang, le temps moyen pour effectuer une collecte. Un acte solidaire est nécessaire pour sauver des vies. Le reportage de Stanley Manicor et Marine Molza. La cause première est partie d'un constat qui fait que beaucoup de salariés en fait ne peuvent pas quitter leur poste, puisqu'il faut savoir que le don du sang dure entre 45 minutes et 1 heure, ils ne peuvent pas quitter leur poste. Si le chef d'entreprise est conscient qu'il faut à un moment donné donner la possibilité aux salariés d'aller donner son sang pendant le travail, moi je trouve ça tout à fait normal. Ce partenariat nous permet en fait de créer une facilité, parce que l'employeur pourra vraiment donner l'autorisation à son employé de pouvoir aller donner le sang. Ça nous donne aussi une facilité d'accès, surtout dans des zones un peu compliquées pour se garer pour le camion à Jarry, dans la zone de Jarry ou de Dotémare. Et l'UDE-MEDEF aussi nous accompagne dans la promotion en fait, des collectes. C'est surtout important que la communication passe au sein des équipes dans les entreprises, de façon à ce que la mobilisation des futurs donneurs ou des donneurs soit facilitée et permette d'avoir des collectes qui fonctionnent. Aujourd'hui, c'est sur ce fait, c'est concret et nous allons nous mobiliser, je dirais, pour être à côté de l'EFS. Je suis un facilitateur, mais je serai à côté de l'EFS à 100%. Vous avez bien compris. Donc pour moi, il est important, et pour nous, il est important, je dirais, de ce que certes, on a signé aujourd'hui une convention, mais que cette convention prenne forme et qu'elle ne s'arrête pas à une signature. Normalement, il n'y aura plus d'excuses. On sera vraiment à vos pieds sur Jarry, sur Dotémare, mais aussi dans des zones qui sont un petit peu moins fréquentées, mais où il y a des employés, comme vers La Sara ou Jola, la zone de Jola ou Lamantin. Sur Basse-Terre, c'est vraiment toute la Guadeloupe qu'on va couvrir et les îles du Nord également. Vous pourrez prendre vraiment 45 minutes, 1 heure pour sauver des vies. Ce que nous souhaitons chaque année, et évidemment pas seulement cette année, mais c'est vrai que cette période est toujours une période qui prépare l'été
Et c'est l'occasion, toujours le 14 juin, de remercier les donneurs. Et on est aujourd'hui dans une dynamique plus large avec cette opération Prenez le relais, de façon à sensibiliser un maximum de donneurs potentiels et puis de faciliter le passage à l'acte avec l'accompagnement par quelqu'un qui donne déjà et qui a déjà l'habitude de donner. Découvrons maintenant la task force de la région Guadeloupe. Ce groupe composé de 15 jeunes et un peu moins jeunes, formés dans divers secteurs d'activité, accompagne des entreprises dans la constitution de dossiers d'aide financière. Avec la crise sanitaire, le ralentissement des activités s'est bien évidemment fait ressentir un peu dans tous les milieux. Toutes les entreprises, TPE ou PME, sont donc éligibles à cette démarche pour mener à bien leur projet de relance. Un reportage signé Michel Depape. Alors cet après-midi, la collectivité régionale a souhaité présenter au monde socio-professionnel, chambre consulaire, organisation professionnelle, le dispositif que nous avons mis en place pour accompagner les entreprises. Depuis toujours, il y a un maillon faible dans l'accompagnement des entreprises, dans le fait que les plus petites entreprises de Guadeloupe puissent bénéficier de l'ensemble des dispositifs de soutien public. C'est l'accompagnement, c'est-à-dire comment finaliser leur dossier, comment disposer de l'ensemble des documents et des pièces leur permettant d'avoir un dossier complet. Et donc, c'est en ce sens que dans le cadre du plan de relance, après et durant cette période de crise sanitaire, la collectivité a souhaité créer ce groupe dédié, ce task force, donc un groupe de 15 jeunes guadeloupéens formés dans tous les domaines juridiques, marketing, comptabilité, gestion, économie, qui vont sillonner tout le territoire de Guadeloupe pour accompagner les entreprises, être à leur côté et leur permettre de disposer des moyens d'avoir des dossiers qui sont des dossiers bien montés, bien faits et pouvant bénéficier, comme toute entreprise, des dispositifs de soutien et d'aide financière. Moi, en fait, avec tous les collègues, nous avons été recrutés pour pouvoir accompagner les entreprises. Alors, en fait, c'est vrai qu'en temps de Covid, il y avait beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés. La plupart des entreprises en Guadeloupe, ce sont des TPE, PME. Donc, avec le Covid, il y a eu beaucoup de cessations d'activité ou bien gros ralentissement de l'activité. Et aussi le tourisme qui a beaucoup diminué, ce qui diminue aussi l'activité économique du pays. Donc ces entreprises ont besoin d'aide, de conseils, pour avoir des aides spécifiques à leur domaine, que ce soit la pêche, le tourisme, le commerce, etc. Donc nous sommes ici pour les aiguiller et pour leur permettre de pouvoir avoir les aides suffisantes pour leur projet. Et non seulement pour les créations d'entreprises à venir, mais aussi pour la création d'emplois. Et maintenant, je reçois Cécile Lequen, qui est chargée de mission vélo et mobilité active à la ville de Morne-à-l'Eau. Elle est en compagnie de Fabrice Jazaron, qui, lui, est élu à la biodiversité dans cette même municipalité. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir à toute la Guadeloupe et à toute la population bordelienne. Alors, parlez-nous de ce projet que vous développez, ce projet, on peut dire, éco-citoyen. Éco-citoyen, ben en fait, on est en phase avec notre biodiversité, puisqu'il faut le savoir que Morne-à-l'Eau, c'est une terre, une commune riche en biodiversité. Et à travers de la promotion du mode vélo sur notre territoire, on veut faire en sorte que la population découvre Morne-à-l'Eau autrement, à travers les sentiers, les venelles, toutes les ruelles de Morne-à-l'Eau, et puisse découvrir la biodiversité, la richesse de notre territoire. Et c'est pour ça, en fait, qu'au sein de la municipalité de Morne-à-l'Eau, on est acteur de ce projet et on accompagne Mme Lequen sur ce projet qu'elle entame en tant que chargée de mission. Alors comment vous allez faire, justement, les Mornaliens, les Guadeloupéens par extension, monter sur ces fameux vélos? Alors en fait, la ville de Morne-à-l'Eau est lauréate d'un appel à projet vélo et territoire qui a été lancé par le ministère de la Transition écologique et l'ADEME. Et grâce à cet appel à projet, on a pu démarrer une politique cyclable pour le territoire de Morne-à-l'Eau depuis janvier 2021. Donc c'est assez récent, ça démarre là depuis quelques mois. Et l'idée, c'est de promouvoir, de faciliter l'accès au vélo et la pratique au quotidien. Donc c'est à la fois des actions de sensibilisation, des activités avec la population, aller les rencontrer et par le biais d'une application aussi leur proposer de parcourir des kilomètres pour Morne-à-l'Eau. Donc c'est l'application GéoVélo. Comment ça, parcourir des kilomètres pour Morne-à-l'Eau?
Se battre pour Monalo. C'est-à-dire. Alors, au mois de mai, on a lancé pour la première fois le mois de mai à vélo. Le mois de mai à vélo, c'est un mois pour adopter le vélo pour la vie. C'est un événement national avec plusieurs événements un peu partout. Et à Monalo, on a choisi de faire un événement via une application qui est l'application GéoVélo. Et on propose aux Mornaliens de parcourir des kilomètres par la communauté de Monalo. Et en fait, à chaque fois qu'on allume son téléphone, on télécharge l'application gratuitement, on se crée un compte. C'est GéoVélo, hein. Oui. Et toute personne qui a l'application allumée quand elle passe sur le territoire de Monalo va faire des kilomètres pour la communauté de Monalo. Alors, il faut rejoindre la communauté de Monalo pour faire des kilomètres. D'accord. Et la commune qui fera le plus de kilomètres... Gagne quoi ? Alors, sera lauréat. Il va y avoir un classement en fonction des tailles des villes, des groupes qui participent. Et Monalo, en fait, est vraiment dans cette dynamique de se placer dans les villes les plus éco-durables, éco-citoyennes possibles. Tout à fait. Il faut savoir que Monalo, c'est une petite ville qui a été élue pour sa biodiversité, petite ville de demain pour la biodiversité. Donc, en fait, à travers ces actions également, on veut absolument promouvoir le territoire de Monalo et créer du lien social, puisqu'il faut savoir que le vélo également contribue à tout cela. Et le vélo est un facteur santé également. Mmh. Et en fait, ça permet de faire du partage. Après, il y a aussi l'aspect développement urbain, puisqu'il faut vraiment créer les espaces également pour. Mais on est dans cette dynamique. Ça va être la prochaine question. Ah, excusez-moi d'anticiper vos questions. Quand même, parce que l'aspect sécuritaire tout à fait. Est très important. Mmh. On voit que la région a mis à disposition, par exemple, la route de l'Alliance. Tout à fait. Est-ce que vous allez bloquer les axes routiers ou bien peut-être faire quelques travaux pour aménager des pistes cyclables? Alors, quelques travaux pour aménager les pistes cyclables, certainement. On a déjà tracé pas moins de 2 ou 3 pistes. En fait, on a déjà des projets en fait, qui permettront de rallier des différents espaces sous Monalo. Peut-être on peut dire partout de Blanchette arriver à Vieux-Bourg, partout de Blanchette arriver au Bourg. Mais vraiment, on veut faire en sorte que le Monalien se sente bien et puisse faire tous ses actes en fait, à vélo. Pourquoi pas imaginer demain Monalo où on pourrait tout faire à vélo avec l'équipement nécessaire. Et voilà, ça permet vraiment de créer du lien social et ça permet vraiment d'agir efficacement sur la santé. Je pense qu'actuellement, on en a besoin. Avec tout ce qui se passe actuellement, la COVID, etc., est passé par là. Il faut vraiment que les gens puissent se réunir à travers le sport, à travers d'autres activités. Il y a le théâtre, les musées qui s'ouvrent. Mais le sport en fait partie, singulièrement le vélo, puisqu'il faut savoir que Monalo, c'est une terre de champions. Donc, Monalo est une terre de champions. Je pense que la plupart des grands cyclistes... Mais on dit que la Guadeloupe, c'est une terre de champions. Généralement, mais si on prend le pourcentage sur Monalo, ramené au vélo, on a fourni pas mal de champions cyclistes sous l'ensemble de la Guadeloupe. Donc, on veut vraiment créer cette émulation à travers les jeunes, la jeunesse, pour inciter les jeunes à cette pratique. On a des clubs également de vélo sur le territoire. On pense qu'avec cette pratique, les clubs également pourront se réveiller, entre guillemets, et pourront proposer un autre projet à la municipalité, qu'on puisse les accompagner et faire du vélo vraiment l'action forte de notre territoire. Et le vélo est aussi un moyen de déplacement accessible pour tout le monde. Donc il faut que ça soit un réflexe aussi pour se déplacer dans le centre-bourg, dans les quartiers cœur de Gripon. Ça reste un moyen de déplacement assez facile et qui peut, dans l'avenir, être pour tous les publics. On sait que dans les centres-villes, on devrait éviter justement de circuler avec des automobiles ou des véhicules à cyclomoteur. On le sait, comme sur Paris par exemple, où ils sont censés avoir une politique bien spéciale. On devrait l'appliquer aussi ici en local. Mais est-ce que vous pensez qu'on est prêt à franchir ce pas et tous enfourcher nos vélos pour des déplacements, même s'ils sont inférieurs à 10 km ? En fait, au niveau, en fait, c'est des beaux projets, en fait, mais pour cela, il faut créer l'environnement autour. On est d'accord. Il faut vraiment qu'on puisse sécuriser et aussi les voies de délestage, parce que quand on ferme effectivement le centre-bourg, il faut penser, parce que Monalo, il faut savoir que c'est le carrefour, la porte d'entrée de nos grandes terres. Donc, si on ferme le bourg de Monalo, il faut pouvoir donner une possibilité aux habitants. Ah non, mais si vous fermez le bourg, ça veut dire que c'est embouteillage partout. Embouteillage partout, mais il faut savoir qu'au niveau de la municipalité, on y travaille, puisque avec la région Guadeloupe, il y a une voie de délestage sous Caduc qui a été créée récemment et qui permet de contourner le bourg de Monalo. Donc, c'est le projet de Monalo de faire c'est en sorte. C'est une volonté. Alors, vous savez, à partir du moment qu'on a la volonté, on peut tout faire. L'essentiel, c'est vraiment l'axe majeur, c'est d'avoir la volonté et après de se procurer les leviers pour mettre en action toute cette bonne volonté qu'on a. Mais on a la volonté. Je vous rassure qu'au niveau de la municipalité, on a cette forte volonté de faire en sorte que Monalo soit une ville qui soit vraiment
non seulement traverser, mais quand ils prennent plaisir à y passer, à y rester. En tout cas, la traversée à vélo. Hein. À vélo. Être plus intéressant. Tout à fait. Voilà. Mmh. Ça permet de découvrir la biodiversité, la richesse. Mais vous avez prévu des circuits touristiques, puisque normalement, vous avez votre boucle du Nord Grande Terre qui est en train d'être tout à fait. Vous me devancez aussi. Parce que oui, il y a certains axes qui sont embouteillés, mais on peut en vélo emprunter d'autres axes, d'autres circuits qui doivent être mis en valeur, une signalétique spéciale pour les vélos qui peut être construite via ou encore une application, vu qu'on a, on va vers le numérique de plus en plus, mais aussi des panneaux de signalisation. L'idée, c'est que par le vélo, on utilise d'autres chemins qui permettent de découvrir Mornalo autrement. Et comme vous disiez, Mornalo est aussi la porte d'entrée de Nord Grande Terre, donc c'est aussi le début du projet qui commence à Mornalo. Parce que techniquement, comme vous êtes la porte d'entrée de la boucle du Nord Grande Terre, c'est vous qui devriez mettre les vélos à disposition pour faire la boucle, a priori. En fait, on est les précurseurs en fait, de ce beau projet. Hein, il faut le savoir, c'est qu'on en discutait aussi avec Mme Le Quen sur pas mal de séances de travail. On a déjà pensé l'organisation avec des points. Les habitants ou toute la population. On a vu toute la Guadeloupe, bien sûr, avec nous, c'est découvrir. C'est pas que pour les Mornaliens. Hein. Pas que pour les Mornaliens. Si on fait un projet en service du cas de notre commune, je pense que ce sera un échec. Il faut vraiment qu'on soit précurseur et à travers l'expérience qu'on pense mener sur la commune de Mornalo, on espère vraiment que d'autres communes pourront s'en inspirer et effectivement créer le vélo Guada. Vélo, voilà, que tout le monde en Guadeloupe puisse pratiquer le vélo à des heures inimaginables. On peut se dire pourquoi pas ne pratiquer un vélo peut-être à 23h minuit à partir du moment. Des sorties nocturnes. En fait, moi, de la boucle Nord Grande Terre, voilà. Vous avez un produit d'appel finalement pour tout le territoire en termes de tourisme. Tout à fait. Donc, si on peut faire les boucles à vélo sur des circuits qui soient bien tracés, bien sécurisés, tout à fait. J'ai envie de vous dire que bon, carton plein dans tous les cas. Oui. En tout cas, on a la volonté, on veut créer cette émulation et on croit au projet puisque on sait qu'on est une terre en fait où les gens prennent beaucoup de plaisir à rouler en vélo et en fait on veut vraiment que Mornalo puisse en inspirer beaucoup de communes, pratiquement toutes les communes de la Guadeloupe. Et ce projet se veut pour la population et avec eux, c'est vraiment pour répondre, améliorer la qualité de vie des habitants de Mornalo. C'est pour le bien de tout le monde. Exactement. Tout à fait. Et pour le bien de la nature aussi, parce que moins on utilise des voitures, plus on utilise des vélos, mieux c'est, dans tous les cas. Tout à fait. Au moment où on parle de biodiversité. Oui, mais le problème, c'est qu'on en parle beaucoup, mais sur les actions concrètes. C'est ça, mais c'est des petites actions, c'est l'ensemble d'actions comme ça qui permettront vraiment de faire une prise de conscience, puisqu'il faut savoir que le territoire du Nord Grande Terre en elle-même, c'est un territoire en fait qui est un territoire engagé pour la nature. Donc à partir du moment où on prend l'engagement de faire en sorte que la nature, la protection de l'environnement, c'est notre leitmotiv, il faut qu'on, autour de cela, qu'on puisse mettre en fait les accompagnements, les projets, qu'on puisse se définir par rapport à cela. Mais on a déjà la philosophie, la ligne. Directrice, elle est dictée déjà. Maintenant, c'est à nous, effectivement, de créer autour de cela un environnement propice à la protection de notre environnement. Excellent. Voilà. On va rappeler quelques petites informations importantes, dont l'application. Oui, donc l'application GéoVélo peut se télécharger gratuitement sur les smartphones. Ensuite, il s'agit de l'allumer quand on prend son vélo, de la mettre en route, de rejoindre la communauté de Mornalo. Et ainsi, on peut parcourir le plus de kilomètres dans l'équipe de Mornalo. Toutes les informations sont aussi sur le site internet de la ville de Mornalo et également sur une petite vidéo YouTube Mornalo, comme vous pouvez la passer. Et de nombreuses autres activités auront lieu à Mornalo pendant dans l'été et au cours de l'année pour toujours accompagner et donner envie de faire un peu plus de vélo. Donc pendant les vacances, Mornalo, ville du vélo. Oui. Pendant les vacances et même au-delà. Voilà. L'été à vélo à Mornalo. Ben vraiment. Je vous ai déjà trouvé le slogan. On a constaté. Merci. Merci en tout cas à vous d'être venu sur ce plateau et pour le travail que vous effectuez à Mornalo. On voit qu'il y a une certaine cohérence justement dans le développement de ce territoire. On espère que ça portera ses fruits, mais sur des années. Hein. Vous savez, les projets comme ça, ce sont des projets structurants. Et effectivement, je ne peux pas le faire en 6 mois, en 10 mois, en 1 an. Mais en fait, à partir du moment qu'on a déjà lancé, on a donné le là, c'est à nous après d'aller plus loin. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup à vous. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce JT. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. En attendant, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous, on se retrouve demain.